Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve pour ce quatrième épisode de la carrière avec Arsenal. Bon, on a reçu 3,5 millions grâce à notre demi-finale. Un accord pour Trent Alexander-Arnold autour de 16,5 millions d'euros. À la base, il vaut 14 millions, donc on va accepter, hein, c'est plus que raisonnable. Et on va tout de suite négocier avec lui pour aller recruter notre premier défenseur. Alors, rôle, on va mettre rotation. On va essayer de le faire sortir du banc de temps en temps. Hein. Son rôle, la durée de son contrat maintenant, 5 ans. C'est ce qu'il espère, parfait. Pas de clause de libération, c'est parfait. Alors, son salaire, 28 000. Il a bien réduit parce que son salaire actuel est 36 000, donc on va clairement accepter. Hein. Et on enregistre donc notre deuxième recrue. Après Nicolas Pépé, on a donc notre numéro 3, Trent Alexander-Arnold. Jenkinson lui est prêté chez les Wolves, ça c'est bon. Et on a un accord pour Amadou Diawara pour 20 millions. Pareil, hein, on va aller accepter. Et on va pouvoir négocier avec lui. On va essayer d'avoir deux recrues directement. Alors, son rôle, il espère être dans la rotation. Parfait, hein, c'est ce qu'on voulait. Donc, on va l'accepter. Son contrat, 5 ans, parfait, c'est ce qu'on voulait aussi. Donc on accepte, on va pas mettre de clause de libération. Niveau du salaire, 42 millions, ça me paraît bien. Prime de signature, pas très haute, ça va. Toutes ces demandes étaient à peu près dans nos cordes, hein, donc on va accepter tout de suite. Hein. On va donc signer notre troisième recrue directement. Avec Amadou Diawara, et on va partir sur un autre joueur, c'est Joe Gomez, un autre défenseur de Liverpool. J'ai hésité aussi avec Mason Holgate ou Antonio Rudiger. On va mettre une première offre à 15 millions et la deuxième à 25 millions. Normalement, on devrait l'avoir autour d'une vingtaine de millions, peut-être un peu moins. Offre de transfert pour Sech, 2,9 millions à Guingamp. On va refuser, hein. On a besoin de Petr Sech, notre deuxième gardien. Et on va retenter le coup donc pour Oussem Aouar. Donc il voulait à peu près 29 millions, on va mettre 34 millions au max. Et une première offre à 22,5 millions. Une offre de prêt pour Rob Holding à Levante. On voulait pas forcément le prêter, hein, mais ça peut se faire, surtout si on arrive à recruter Joe Gomez. Et donc Joe Gomez, on est tombé d'accord pour 15 millions avec Liverpool. On va tout de suite accepter et tout de suite négocier son contrat à 15 millions pour Joe Gomez. Ça me paraît extrêmement raisonnable. Alors, rotation, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait lui donner de toute façon. Au niveau de la durée du contrat, on va lui mettre au maximum hein, 5 ans. Il est d'accord, c'est parfait. Pas de clause de libération, c'est parfait. Et donc son salaire, il est actuellement à 60 000 à Liverpool. On va augmenter un tout petit peu, on va lui mettre 65 000. Et on va lui mettre une prime de signature fois... Allez, un petit peu plus de fois 10 son salaire. 680 000. Et une prime de titularisation, on va lui mettre 2 millions. «
Bon, il est satisfait. On lui a peut-être mis un petit peu beaucoup, hein, après réflexion, mais bon. Donc, Robolding s'est prêté, il s'en va. Et encore, pour l'achat d'Oussema War, 26,9 millions. On va accepter, c'est moins cher que ce qu'ils nous ont demandé la première fois. Et on va pouvoir tout de suite négocier avec lui. Alors, dans la rotation, c'est ce qu'on voulait. La durée de son contrat, on va lui mettre pareil, hein, 5 ans au maximum. Il est d'accord, c'est parfait. Pas de clause de libération, c'est parfait. Au niveau du salaire, il veut un peu plus. Ça me paraît tout à fait bien, on va l'accepter. Et on va donc signer Oussem Aouar. Ça nous fait donc 5 jeunes recrues en tout. Et on va essayer de signer un jeune attaquant. J'ai pensé à Anastasios Donis, un jeune grec de Stuttgart. On va mettre une première offre à 7,5 millions et on va monter jusqu'à 12,5 millions. Une offre pour Kolasinac, 22,5 millions à Burnley. J'ai pas forcément envie de le vendre, hein. C'est notre titulaire à gauche. Donc on va refuser. Et on s'est mis d'accord avec Stuttgart pour Donis, moins de 8 millions. On va accepter, hein. Et on va aller négocier pour aller chercher une nouvelle recrue encore. Cette fois-ci un jeune attaquant. Alors il met rôle sporadique. Donc il en demande encore moins. On va pas pouvoir lui offrir beaucoup de temps de jeu. Hein, de toute façon, 4 ans, on va l'accepter. Hein. Il va aller jusqu'à 25 ans avec nous. Pas de clause de libération. C'est parfait. Oula, salaire, il demande beaucoup par contre, il demande plus du double de ce qu'il a actuellement. Avec une prime de titularisation et une prime de signature, on va descendre à 35 000. Le reste, ça me va. Bon, il veut pas lâcher les 46 000 euros par semaine. On va essayer de baisser une dernière fois au moins à 40 000. Hein. Bon, bah, on va accepter, hein, malheureusement. Je trouve ça cher, mais bon. On signe donc notre sixième recrue du mercato. Là, tout s'est accéléré. Une offre de prêt pour Alexa Iwobi. Comme c'est un club concurrent Bournemouth, on va le refuser. Surtout que il y a moyen qu'on l'utilise à Iwobi cette saison. Et on va pouvoir se lancer tout de suite dans notre premier match de Premier League face à Manchester City. On se retrouve pour le premier match de la saison qui oppose Arsenal à Manchester City à l'Emirates Stadium. Composition d'Arsenal avec Petr Čech, défense à 4 avec Koscielny en défense centrale. Lucas Torreira et Ramsès s'occuperont du milieu de terrain. Mkhitaryan, Ozil et Aubameyang en soutien d'Alexandre Lacazette en pointe. Du côté de Manchester City, c'est Ederson qui sera dans les buts, une défense à 4 également avec Ben Davies et Kyle Walker sur les côtés. Un milieu à 3 avec Silva, Fernandinho et De Bruyne et un trio d'attaque avec Agüero seul en pointe.
La première occasion, elle est pour les Gunners d'Arsenal et pour Alexandre Lacazette dès la deuxième minute qui voit sa frappe repoussée par le poteau. On continue de pousser pour les Gunners et ça va finir par payer à la 9ème minute avec ce pénalty concédé par Vincent Kompany. Aubameyang plus rapide que le défenseur et un tacle très en retard. C'est Alexandre Lacazette qui se charge de transformer ce pénalty. Mais Ederson est sur la trajectoire et conserve sa cage inviolée. La réponse tout de suite de Manchester City. Et cette frappe de Leroy Sané arrêtée par Petr Cech. Et quelques minutes plus tard, Leroy Sané va profiter d'une énorme erreur de relance de Petr Cech pour inscrire le premier but du match. Au quart d'heure de jeu, ça fait 1-0 pour Manchester City. Une passe compliquée là de Kolasinac qui met en difficulté son gardien, qui n'arrive pas à se relancer et ça profite à Sané. Les Gunners de retour à l'attaque. Et une nouvelle fois, c'est de Alexandre Lacazette que l'offensive va venir. Mais malheureusement, maudit ce soir puisqu'il touche le poteau encore une fois. Le duo Aubameyang-Lacazette une nouvelle fois à l'œuvre avec un bon travail d'Aubameyang. Le centre, mais Lacazette va une nouvelle fois tomber sur Ederson. Un contre bien emmené et cette balle de Mkhitaryan qui peut déposer Lacazette. Une nouvelle fois, Kompany en retard en défense, qui va provoquer le deuxième pénalty de la soirée pour Arsenal. Cette fois-ci, c'est sur Lacazette. Et c'est Aubameyang qui se charge de transformer ce pénalty. Mais une nouvelle fois, Ederson réussit un match incroyable en sortant ce pénalty. Kompany, toujours aussi agressif, va se voir exclure. Après un deuxième carton jaune, le capitaine doit laisser ses hommes. Toujours ce côté gauche d'Arsenal, le centre de Kolasinac et la reprise de Lacazette sur le poteau une nouvelle fois. Encore et toujours Alexandre Lacazette en position pour égaliser, mais sa frappe va être repoussée quasiment sur la ligne par Davis. La reprise de Lucas Torreira contrée. Un corner pour Arsenal, encore un, le cinquième, joué en deux temps, une première fois repoussé par Manchester City. Mais le deuxième centre sera bon, et cette fois Lacazette trouve le fond des filets et peut égaliser pour Arsenal, qui aura poussé et qui aura trouvé la faille. L'ancien Lyonnais maudit jusqu'ici peut enfin débloquer son compteur en Premier League cette saison. Une tête à bout portant qui vient battre Ederson. Mkhitaryan tout près de doubler la mise pour Arsenal. Et un troisième pénalty, cette fois provoqué par Ben Davies, qui vient faucher à Iwobi tout seul, dernier défenseur. Alexandre Lacazette une nouvelle fois face à Ederson. Et Ederson qui vient repousser son troisième pénalty de la soirée. Ozil à 10 minutes de la fin a une balle pour donner l'avantage aux Gunners en deux fois, mais il manque le cadre. Et puis sur cette inspiration géniale signée Mohamed Elneny, il vient trouver Alex Iwobi qui peut ouvrir son pied et venir crucifier Ederson à quelques minutes du coup de sifflet final. Iwobi ne laisse aucune chance au gardien. Fin du match et score final 2-1 pour Arsenal qui aura lutté jusqu'au bout pour sa victoire. Bon, et bien après beaucoup de recrues et un match dur mais gagné, on va se laisser là. On se retrouve très bientôt. Ciao.